Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Close Combat Meuse 1940 où on a enfin notre Minor German Victory et où on va essayer de pousser le bouchon un peu plus loin, Maurice. Oui, oui, oui. Avec des fusils A en face et deux points à capturer, ça va être trop facile, je le sens. Oui, j'ai l'air d'un con, mais j'y peux rien. Comment dire, je fais toujours l'idiot, toujours l'idiot. Au moins, ça cache la misère du monde. Enfin, peut-être pas, mais bon. Je veux dire, merde, si ça commence à être triste, ça sert plus à rien, quoi. Il y a des gens, ils sont... Enfin, moi, j'aime bien être sérieux, quand même, parce qu'il y a des moments, il faut pas... Faut pas exagérer non plus, quand même, hein, mais... Il faut quand même rigoler parce que si on rigole pas après, autant se suicider, de la merde. Ouais, puis moi je suis en train de faire de la merde aussi là. Ouais. On va le mettre là, puis lui on va le mettre là. Alors, on va regarder. Alors, voyons voir. Toi, alors, tu vas défendre par là. Non, mais si tu te mettais dans le coin. Voilà, bien. Ah ouais, mais toi, tu vas pas avoir une ligne de feu super. Ouais, bah, c'est pas grave. Toi, tu vas défendre par là. Défendre. Ah merde, il y a deux unités, putain, mais... Oh. Eh ben, vous mettez-vous là, tiens. En mode défense, je suis sûr qu'ils vont être dans le bâtiment donc. Toi tu vas défendre. 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 Je vous avais pas vu, tiens. Défendre. Hop. Hop. J'en ai loupé un. Oui. Panzer 4, tiens. Panzer 4, on va te mettre là. Tu vas mettre défendre. Allez, c'est parti. Ouais. Bon, c'est que de l'infanterie pour l'instant. Wow. Ah non, putain. À un moment, j'ai flippé. Je dis merde, putain, ils ont des chars. Non, 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 c'est bon. Voilà. Ils avaient pas des canons anti-chars au départ? C'est pour ça que moi j'ai planqué mes chars en fait, parce que je croyais qu'ils avaient des canons. Ok, ça se déroule pas mal. Qui tire là? Ah, c'est toi. Allez, vas-y, move fast par là toi. Ça c'est une bataille comme je les aime. Mais comme vous ne les aimez pas vu que... comment dire, elle est trop facile. Ouais. Bon, si elle est vraiment trop facile, j'en ferai une deuxième. Parce que là on est en train de les poutrer là. En plus, ça va bientôt être la fin de la série, là, encore quelques épisodes, et puis, comme il n'y aura plus de français, ça va être tout bidon à avancer. Et on pourra démarrer la série sur Close Combat 5, mode Rising Storm. Parce que grâce à Leviat, merci à Leviat, et grâce à Tik aussi, Taika en lettres majuscules, on a trouvé la solution pour savoir comment filmer Close Combat 5, parce que c'est pas très très facile. Vu que c'est un vieux jeu, alors les nouveaux logiciels supportent moyennement ce genre de vieux jeu. Il n'y a pas de mode fenestré, etc. Du coup, il veut pas filmer en mode fenestré. Même en forçant et tout, en téléchargeant des logiciels pour le mettre en mode fenestré, il veut pas. C'est du Close Combat, quoi. C'est résiste, hein.
Mais on a fini par trouver la solution avec Bandicam et du coup on va pouvoir lancer la série quand même. Ce qui est assez cool. Pour vous en tout cas. Parce que qui dit lancement de la série sur Close Combat 5 dit aussi lancement de la série sur Silas Hunter. Dont les premiers rushs aussi sont filmés. Je vous montrerai peut-être un de ces jours. Sur Silas Hunter, les premiers rushs sont dans la boîte. Merci qui ? Merci Knapik aussi. Parce que Knapik est l'un des... comment on pourrait dire ça ? Protagoniste peut-être ? Oui, l'un des protagonistes. Qui fait que le premier épisode, enfin le premier scénario peut sortir. D'accord, j'avais bien vu un canon donc. Donc vous. Donc il y avait bien un canon 75, je suis pas fou. Il en est où le moral? Ah ouais, d'accord, il s'effondre pas vraiment le moral français. Moi j'attendais qu'il se fasse massacrer et tout, et puis en fait, non. Donc, il faudrait que je rassemble mon infanterie. À la rassembler par là. Allez-y. Fire! Non? Alors. Blessé, ok. Je cherche un couvert, reload. N'a pas de cible. Donc en fait, il n'y a que Schlieffer, si ça tombe, qui voit le canon de 75. On se rend. Qui se rend? Je sais pas. Je sais pas qui c'est qui s'est rendu. Merde, il y a beaucoup de fusils ici. Ouh, le canon de 75, comment il est en train de prendre cher. Bon, il n'y a qu'un mort pour l'instant, mais... C'est pour le principe. Ici. Encore deux unités d'infanterie. J'aimerais bien faire avancer mes chars, tiens. Hop. Hop. Et hop. Et hop ici. Là. Et toi aussi tu vas venir, tiens. Parce que le monde a l'air d'être par là, donc... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est... Ouais, ouais. Ah, ils veulent plus avancer. Pourquoi? Ça, je l'ignore. Ah, c'est compliqué, là. Et je peux plus... Oula! T'es pas un peu trop avancé, toi? Ah non, ça va. Ah merde, putain, ils sont en train de se faire saucissonner par ceux qui sont là-dedans. Je sais pas pourquoi. Normalement, le Panzer 1 doit pouvoir leur tirer dessus, non? Bah ouais. Ouais, bah en fait, non. est-ce que le canon 75 est encore dangereux? Là est la question. Ah oh merde, putain, j'ai encore perdu un homme. Attention, attention. Fire! Allez, vas-y. Quoi? Mais tu déconnes! Il restait plus que deux hommes sur le 75. Moi, j'en ai trois ou quatre, je sais plus. Enfin, dans le... Ça, c'est de la triche. Parce que normalement, moins il y a d'hommes, moins c'est
rapide normalement, c'est comme dans tous les jeux. Là putain, il a réussi à me... C'est pas juste. C'est pas juste. Alors. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Je vais prendre l'AMG là. Hop. Et on va la faire nickel 75 là. J'ai pas beaucoup d'infanterie donc. Ah ouais, il tire en plus hein. Bon, rentrer dans le bâtiment apparemment c'est trop dangereux pour vous. Ah ici il y a peut-être moyen de... Hop, si on longe le mur, peut-être qu'il y a moyen de... Hop, d'éviter le canon de 75. Ils sont encore combien là dans la maison? On sait pas. Et nous, il y a encore combien de trucs à prendre? Un seul? Un seul point? Non, deux points. Ah oui, non, le manoir et le... Oui. Vas-y, longe bien le truc, hein. Ok. Ils se sont fait tirer dessus? Ouais, apparemment. Ils vont chercher un couvert. Ok. Donc là, soutien du char. Qu'est-ce que t'as? Une granate? D'accord. Alors. Donc il peut pas les soutenir. Génial. Et si on fait ça? Allez, off, Klärung. Ouais, mais moi j'ai pas envie d'assesser le feu. Moi je veux les anéantir. Allez-y, allez-y, rentrez dans le manoir tout de suite. Rentrez dans le manoir tout de suite. Vous allez être soutenu par le Panzer 38. Non, non, rentrez dans le manoir, allez-y, allez-y, allez-y. Oui, le Panzer 38, vous avez vu, il vous soutient là. Il vient de faire un kill. Bien. Alors maintenant, on va avancer légèrement par là. Attends, 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 non, vas-y, vas-y, vas-y. Tire sur lui d'abord. Voilà, fais un soutien. Bien. Voilà, t'as vu? C'est bien ça. Ah ouais, d'accord, l'unité elle est dispersée, regardez, quand on regarde ici. Il y en a ici, ici et ici. En fait, ils ont fait que l'aller-retour, quoi, le truc. Alors. Ensuite, on va faire ça. Ça. Allez-y. Courez vers le bâtiment. Comme ça, vous allez spotter pour le Panzer. Voilà. Allez-y, fire, fire. Toi, est-ce que tu peux... Ouais, non, je doute que tu puisses... à part si t'arrives à avoir un tir à partir de la fenêtre. Ah, merde. Il avait un tir à un moment. En tout cas, on les voit maintenant, donc c'est bien. Enfin, on les voit. Mettez en 720p si vous voulez les voir, parce que même moi, j'ai du mal, donc... Hop. Allez, au cac. On va les mettre au cac. Allez. Waza, au cac. Allez, au cac, au cac. Vas-y, 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 oui. Tu vas l'avoir, oui? Non, oui, je sais pas s'il l'a eu. J'ai pas bien vu. J'ai vu qu'il était en train de taper quelqu'un ou quelque chose. Je suis même pas sûr, en fait, qu'il était même en train de taper quelqu'un. Allez, encore au cac. Je crois qu'il y en a un là. Vas-y, tu vas te le faire au cac. Vas-y, ouais, on le voit là. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Courez, 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 courez.
Par contre, il faut pas que le Panzer 35 tire parce qu'alors, ça risque de faire de la saucisse de Strasbourg. Voilà, on les a eu au cac. Au cac, rien ne vaut le cac. Minor German Victory encore. Oh yeah! C'est bon ça. 25 morts, plus autant de blessés. Non, je déconne. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oui, je sais, je compte encore sur mes doigts. Je vous emmerde. Non, je déconne. Mais j'aime bien compter sur mes doigts. Voilà. Donc 22, un prisonnier. Nous, on a eu 9 morts et 5 blessés graves, plus un char détruit. Oui, je sais. Mais je vous l'ai dit, ne vous engagez pas dans les chars. Alors, 8 morts pour le Panzer 1. J'adore les Panzer 1 en ville. Désolé aussi, Sliss, hein, pour ta mort cruelle. Oh, cette moto Reset fait un sacré paquet de kills. Sauf que bon, ouais, c'est eux là, les hommes du corps à corps. Ils se sont quand même fait 9 kills hein, au corps à corps. GG à eux. Enfin, ils se sont pas fait 9 kills au corps à corps, mais je veux dire, une partie des kills était au corps à corps. Donc, ok, ok, ouais, non, on est en train de refaire un passage là. Ouais, anéanti, anéanti, oui, anéanti. C'est trop bon ça. Ah tiens, on n'a pas croisé le canon de 25, ils l'ont peut-être pas sorti. Ah, le mortier, on l'a atomisé. Ah bon. Ah, comme quoi je fais vraiment pas attention. Ouais. Ah là là, ça fait plaisir de voir ça, Minor German Victory. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, c'est quoi la prochaine bataille? La bataille entre la première Panzer et la 55e division d'infanterie qui inclut Knapik, Leviat, Travège, Mendupo, etc. Sur la map, sur cette map-là. Ah, intéressant. En tout cas, vous avez vu, là, on est en train de vraiment sécuriser les arrières. On pourra avancer vers Beaumont, etc. Pour ceux qui s'inquiétaient de la sécurisation des arrières, moi, je fais la Blitzkrieg. Hein. J'avance et je calcule ensuite. Alors, voyons voir la prochaine bataille. Voyons voir la map. Ah oui. Ah oui. Je me rappelle. Ça va pas être simple, hein. Heureusement, c'est des fusils EB avec le basic training. Bon, c'est pas pour ça que ce sera plus facile. Parce que je suis encore capable de faire de la merde. Mais en théorie, ça devrait aller mieux que d'habitude, quand même. Voilà. Je garantis pas qu'on ait une victoire à la prochaine bataille, hein. Mais en tout cas, ça devrait bien se passer. Enfin, ça devrait pas trop mal se passer. J'espère qu'on aura une victoire en une bataille, là. Enfin, ce sera la deuxième bataille au total. Mais j'espère qu'on l'aura. Cette victoire, comme ça, on pourra avancer comme ça. Et ici, on avancera ici aussi. Ouais, ça risque d'être cool. Surtout que... Ouais. Ça va être bien. On va... Il nous reste plus que... Bon, je dirais une vingtaine de batailles peut-être. Ouais, une grosse vingtaine de batailles. Grosse vingtaine de batailles. Voilà. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de disliker. Mais si vous dislikez, commentez, déroulez la description de la vidéo pour aller sur ma page Facebook ou dans la playlist pour vous... pour postuler dans la dernière vidéo. Surtout si vous voulez repostuler pour être au front. Donc là, parce qu'il y a certaines des unités qui sont derrière. Et donc si vous êtes dans une unité derrière ou que vous êtes dans une unité qui est morte, repostulez, comme ça je vous mettrai dans une unité combattante. C'est toujours un plaisir de me battre à vos côtés. N'oubliez pas aussi de regarder mes autres séries sur Silence Hunter, sur les Close Combat, sur Rome 2, etc. Et je vous dis salut à tous!